Bonsoir tout le monde, ça va bien? Hey, moi, je suis un peu fébrile ce soir, Caroline. Oui, parce que c'est une soirée spéciale. Ça fait longtemps qu'on attend cette soirée-là. C'est enfin la soirée tant attendue pour... Un phare dans la nuit, a beacon in the night. Donc, c'est ce soir qu'on va finalement dévoiler le montant qu'on a amassé l'an dernier, qu'un peu cette année. Restez à l'écoute. On vous revient un peu plus tard avec probablement des photos, puis une vidéo où est-ce qu'on va présenter le chèque devant les personnes qui viennent ici assister au spectacle, parce que il y a plusieurs personnes qui viennent ici donner une prestation musicale. Donc, on fait partie de cette organisation-là, mais on ne chante pas. Non, on voudrait pas s'essayer. Je pourrais chanter le montant, hein, mais je ne pense pas qu'ils voudraient. De toute façon, on joue au début, puis s'il faut que je chante tout de suite, puis là, tout le monde s'en va. Non, c'est ça, les gens risquent de quitter. Sur ce, restez à l'écoute et regardez-moi ce beau montant-là, parce que c'est vous autres qui nous avez donné la chance d'aller offrir ça. Oui, puis on dit encore une fois, merci. On ne peut pas dire le nombre de fois, c'est ça. Bye. Bye. All right. Salut tout le monde, c'est Frank Williams ici, je suis au Théâtre Capitole. C'est une chose, ma bucket list de jouer ici. Puis ben c'est pour l'événement Un phare dans la nuit, A Beacon in the Night. Un événement qui, c'est pas de la santé mentale, c'est essentiellement mettre la spotlight sur des gens qui souffrent de s'entendre quelque chose de la santé mentale, que ce soit la dépression, la schizophrénie, peu importe. Puis on partage tout le stage, super important parce que ben, il faut qu'on ait quelque chose à se valoriser, il faut qu'on ait quelque chose à nous accrocher dans la vie. Puis justement, cet événement ici, ça fait depuis 2013 que ça se passe. J'y participe à chaque année. Puis à chaque année, on a des très beaux souvenirs, des très beaux, des expériences incroyables avec des nouvelles personnes ou des anciens participants. Mais c'est quelque chose qui est super important. Les arts, que ce soit la musique, dessiner, peinturer, peu importe. Quand on souffre, mais souvent les arts peuvent nous aider. Je sais que pour moi, la musique m'a aidé à travers toute ma vie. J'ai souffert de dépression, d'anxiété, anxiété toute ma vie. Puis c'est vraiment la musique pour moi qui m'a aidé à travers tout ça, les moments plus difficiles. La musique était tout le temps là. Ça m'apportait tout le temps du bien. Puis maintenant, jouer ma musique, puis jouer de la musique, puis jouer avec les autres, c'est une expérience que je peux pas expliquer comment important c'est pour moi. Ça fait que c'est un plaisir d'être ici pour la 16e édition du Phare de la nuit. Puis... on va avoir une belle soirée, j'en suis sûr. Puis les tripeuses, trotteuses, bien ça là aussi. On va avoir une good night. Prenez soin de vous autres, prenez soin de votre santé mentale. C'est super important parce que on peut être autant en shape qu'on veut physiquement. Ben, si on n'a pas la santé mentale, on peut pas en profiter. C'est fait. Numéro 1, il faut faire attention à nous autres. Faites quelque chose qui vous apporte du bonheur, quelque chose qui vous apporte de la paix, quelque chose qui vous apporte juste un bien-être général. Trouvez ça, faites-le, continuez. Foncez dans la vie, puis... hey, on se voit à la prochaine. Peace! Lucette Achelaski et Caroline Benoît. Donc, vous allez nous expliquer en quelques mots votre lien avec un phare à la nuit. L'expérience de la COVID, donc nous autres, on a voulu faire du bien à notre santé mentale. Donc, on s'est fixé des objectifs pour justement combler nos besoins. Puis au fil du temps, avec toute cette organisation-là, on a décidé de faire d'avoir cette expérience-là pour justement être capable de pousser nos limites puis essayer de donner aussi, parce qu'on se faisait du bien personnellement, mais on voulait aussi de faire en sorte qu'on donnait au suivant. Donc, en 2021, on s'est donné comme objectif de marcher 3 km dans toutes les villes et villages du Nouveau-Brunswick, donc 104 communautés. On a marché 3 km à chaque endroit et pendant qu'on marchait, on invitait les gens à venir marcher avec nous, justement pour la santé mentale. Puis, on a fait faire des foulards de course, puis on a vendu ces foulards-là durant l'année. Puis, tous les profits qu'on a fait avec cette vente-là, On a choisi justement la fondation Un phare dans la nuit parce que c'était axé sur la santé mentale. Puis on sait à quel point avec le COVID, puis peu importe depuis les dernières années avec le stress de la société, on a cru bon que c'était une bonne cause pour pouvoir donner. Parce que, veux, veux pas, ça touche de près ou de loin chaque personne. Donc,
on est des enseignants, donc on l'a vécu aussi dans les écoles et tout ça. Donc ce soir, on est très fébrile, très excité, très content de vous dévoiler le montant qu'on offre à un phare dans la nuit. On est les seuls à connaître le montant d'ailleurs, donc on vous le présente tous en même temps, autant que le docteur Pierre. Pour un beau montant, merci à tous ceux qui ont acheté et qui ont donné généreusement. Qui ont fait des dons, oui. Donc un beau montant de 6 000 $. Bon, en tout cas, je tiens à vous remercier, les tripeuses, trotteuses. En tout cas, ça me touche beaucoup. Surtout que vous ayez choisi un phare dans la nuit pour nous donner ce que vous avez ramassé durement. C'est admirable, d'autant plus qu'on était en pleine pandémie. En tout cas, il y avait des restrictions pour sortir d'une zone à l'autre. Puis vous avez fait de l'activité physique, je pense, c'est inspirant. Justement, c'est quelque chose durant la pandémie qui a été salutaire pour tout le monde qui en a fait. Fait que d'avoir fait toute la province, en tout cas, je trouve ça vraiment impressionnant. Et de recevoir cet argent-là très durement gagné pour un fort dans la nuit, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous donne l'espoir de continuer. On met plusieurs heures à organiser le spectacle, mais notre but, c'est de s'amuser, de faire participer plus de gens possible. C'est sûr que ça coûte de l'argent produire un spectacle comme ça, là, de façon professionnelle. Puis, faites sûr que ces sous-là vont être entièrement dépensés de la bonne façon directement pour les patients, pour qu'on s'assure de la survie de l'événement et aussi éventuellement qu'il y ait des projets connexes, là, notamment à travers la pédiatrie sociale. Merci encore, je suis très, très, très impressionné, très touché quand Lucette m'a rejoint pour me dire cette intention-là. J'étais vraiment, je vous dirais, c'est une des choses qui m'ont en fait incité à recommencer à bâtir et à planifier cette édition-ci, que je pense est de loin celle qui a été le plus grand succès jusqu'à maintenant. Puis ça a été une des choses qui m'a vraiment amené à dire, ouais, finalement, on continue, il y a des gens pour qui c'est important. Puis, fait que vous avez donné un coup de main à l'événement, je pense, plus que vous pouvez l'imaginer. Ça me fait un grand plaisir de vous remercier. Donc, c'est fini! It's a wrap, comme on vient d'entendre Frank dire. It's a wrap. Donc, comme vous avez vu, on a fait un don de 6 000 $. Donc, merci encore à tous les donateurs, à tous ceux qui ont participé à notre vente de foulards de course. Puis merci pour les dons. Oui. Merci pour les gens qui ont fait des dons aussi. Puis on ne sait jamais, nos prochaines équipes vont peut-être axer sur quelque chose d'autre. Donc, restez ça. On ne sait jamais. Alors, Caroline, j'encourage les gens parce que là, c'était la 7e édition d'un phare dans la nuit. J'encourage vraiment les gens à participer l'an prochain pour venir voir la 8e édition. C'est des gens de la communauté. Oui. Puis, ça te tente d'aller chanter, tu peux prendre des auditions, puis c'est comme ça qu'ils font leur soirée. Puis, il y a des beaux témoignages, ça fait réfléchir. Ouais. En tout cas, on a passé une superbe belle soirée. Donc, merci, Dr. Marcotte. Merci au comité organisateur. Mm-hmm. On a passé une superbe belle soirée. À la prochaine! Okay. Oh no! Okay, so it's fake. Okay. Okay. Hey, Caroline's in a loge. Why? C'est ça. Okay. Puis c'est vraiment. Puis c'est ce soir qu'on va finalement dévoiler le montant. Là, je te parle. Je parle puis je te regarde. Hein? Ça paraît bien. Ben, je sais pas, tu fais ça d'habitude. D'habitude, je regarde. OK. Donc, on dirait une grosse face. Ben, je sais pas. OK, go. C'est quoi le montant, mais ouais. Faut encore... Mais faut...
Mais il faut encore aller sur scène pour aller le faire. Je le sais. C'est ça. Je te parle. Ok. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Donc c'est ce soir. On voulait voir l'enfer. Ah, j'ai oublié. La trompette. Ou du violon. Ça va être bon. Ok. Donc c'est ce soir. C'est que je viens de recevoir un texte. Ignore! Ça commence en 2 minutes. Arrête de dire. Non, j'ai le droit de le dire. Arrête. Ouais, parce qu'on part, on est numéro 7. Hein. Ok, c'est beau. Donc, ce soir, c'est que j'ai oublié, là, comment. Hey, on est dans une petite salle, ok? Enfermée. Ça te détend. As-tu vu la musique de zone? C'est ça. Ok. On recommence-tu? Pour commencer le haut, là. Ok, ben c'est où j'étais? T'étais... Donc, c'est ce soir. Ok, donc... Sur ce, restez à l'écoute et regardez-moi ce beau menton. Sur ce... Linda Haché-Nasky, Lucille. Je viens d'apprendre le nom, je suis pas bonne avec les noms. Puis, Caroline, j'encourage les gens, parce que là, c'était la 8e édition d'un... 7e. 7e? Oui.